Euro 2016. 10 juin, 10 juillet, tous les matchs en intégralité, c'est sur Europe 1. Euro 2016, J-100, c'est une journée spéciale sur Europe 1. Et est venu le moment de dialoguer, un dialogue entre vous, chers auditeurs, et le ministre des Sports, Patrick Kanner, qui est de retour dans ce studio. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous et d'avoir accepté de dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1. Je signale juste à l'instant le tweet de François Hollande, tweet présidentiel. Dans 100 jours, la France accueillera l'Europe du football. Rendez-vous le 10 juin, ensemble. Trois petits points, voilà pour ce tweet. Bonjour Didier. Bonjour Maxime. Merci de nous avoir appelé. Didier, vous nous appelez de Marseille et vous avez vécu à Marseille la Coupe du Monde 98 et ça vous a inspiré une question pour le ministre des Sports. Oui, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous fais confiance pour assurer la sécurité des spectateurs dans les stades. Vous prendrez les moyens qu'il faut. Mais aurez-vous, le gouvernement aura-t-il les moyens d'assurer la sécurité dans les villes hautes qui pourraient être des cibles faciles pour ceux qui veulent créer le chaos en France? Oui, vous avez raison de poser la question. Tout à l'heure, j'évoquais notre objectif de sécuriser au maximum cette compétition, qui n'est pas qu'un événement sportif, c'était aussi un événement populaire. Il est clair que tous les moyens de l'État seront mobilisés entre le 10 juin et le 10 juillet autour de la compétition. Dans les 10 villes hautes, Didier, mais aussi ailleurs, parce que nous savons qu'il y a des villes qui vont organiser dans des enceintes sportives, par exemple, aussi des fans zone pour permettre à Nantes, à Rennes ou ailleurs de pouvoir bénéficier et profiter de l'événement. Donc, mobilisation générale, y compris en lien avec les polices étrangères qui seront sur notre territoire, puisque les 24 équipes seront accompagnées et nous avons, et je ne peux pas rentrer dans le détail, vous voudrez bien le comprendre, nous avons des relations privilégiées pour notamment les questions de renseignement et d'échange d'informations sur d'éventuels risques en la matière. Donc, voilà, il faut nous faire confiance. Il faut nous faire confiance et je suis convaincu que ce sera la réussite en la matière au bout du chemin de l'euro. Voilà pour cette première question. Merci Didier, merci de nous avoir appelé de Marseille ce matin. Bonjour Richard. Bonjour Maxime. Bon Richard, vous appelez de Lille, ville que connaît bien Patrick Kanner. On écoute votre question. Bonjour monsieur le ministre. Donc bonjour. J'avais une question qui était plus sur l'aspect économique. Donc j'ai lu et entendu que les retombées économiques étaient estimées environ 2 milliards d'euros. Je voulais savoir quelle va être la part qui va être pour le foot amateur, parce que quand on voit encore certains comportements du football professionnel, on se dit qu'il y a un gros travail à faire en amont. Et donc voilà, ma question c'était plus quelles vont être les retombées économiques pour le football amateur. Alors, donc, vous avez raison de souligner, on estime à 2 milliards d'euros le chiffre d'affaires de l'Euro 2016, donc c'est ce que va récupérer, entre guillemets, la SAS Euro 2016 et donc l'UEFA qui est à 95%. SAS, c'est la société qui organise. Qui organise, et 95% de cette société est détenue par l'UEFA. Donc, 2 milliards d'euros... Mais ça veut dire que c'est de l'argent qui sort de France ? C'est de l'argent qui va arriver dans les caisses de l'UEFA, sachant que, naturellement, nous avons, grâce au surcroît d'activité, une recette fiscale qui est estimée aujourd'hui à 200 millions d'euros pour notre pays. Et ça, c'est une bonne chose pour le ministre du budget. En termes d'hôtellerie, etc. Hôtellerie, restauration, sécurité, etc. Et l'UEFA redistribue l'essentiel au monde amateur de cette recette. C'est une machine, si vous voulez, à recycler de l'argent qui vient de la part des événements. Donc, nous y sommes extrêmement vigilants pour que ça retombe vers le sport national amateur. Mais déjà, aujourd'hui, dans le budget de l'État, j'ai pu vous dire que nous avons lancé le plan avec Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, le plan citoyen du sport, qui permet pour 12 millions d'euros d'injecter des éducateurs sportifs, de préparer les enfants à la natation. Et là, vous me direz, bon, on quitte le foot. Mais on reste dans l'amateur. Mais on reste dans l'amateur, dans le sport amateur. Donc, vraiment pour nous, l'Euro 2016, c'est une vitrine, mais en aucune manière, cela ne vient pénaliser les efforts qui sont dégagés pour le sport amateur. Et je crois même qu'on peut estimer qu'il y aura de l'engouement et notamment, on sait toujours qu'après ce type d'événement, il y a des adhésions, des licences qui sont prises dans les clubs sportifs amateurs. Voilà Richard pour la réponse du ministre. Merci de nous avoir appelé de Lille. On poursuit ce dialogue au 39-21 sur Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour Maxime. Olivier, vous nous appelez de Saint-Étienne-les-Remiremont, c'est dans les Vosges, et vous avez une question sur un absent. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour.
Je voulais revenir sur la situation de Michel Platini. En 1984, la France organisait pour la première fois l'Euro. Michel Platini était le joueur qui nous a fait gagner cette compétition en marquant 9 buts. Il a contribué à ce que l'on réorganise donc cette année de nouveau l'Euro. Je voulais savoir si vous pensez que ça, son absence était préjudiciable à la bonne marche de cette manifestation et s'il serait vraiment physiquement absent totalement de l'événement. Je vais rajouter une question. Est-ce qu'il sera là le 10 juin au Stade de France pour le premier match ? Écoutez, dans le cadre de la procédure qu'il affronte au sein de la FIFA, aujourd'hui, il ne peut pas être présent sur des événements liés au football international. Ça l'empêche ne serait-ce que d'être spectateur. Et par exemple, il n'a pas été présent lors du tirage au sort. Alors, être spectateur dans le stade, ça nous verrons bien. Je ne peux pas vous répondre à l'instant. Mais vous savez, Michel Platini, il n'est peut-être pas là en termes de responsabilité, mais il est là psychologiquement avec nous. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Je travaille bien sûr avec le patron de la SAS Euro 2016, Jacques Lambert. Je dirais la jurisprudence Platini, le cap Platini, il est toujours là, monsieur. Et je veux vous rassurer. L'absence, même bien sûr que Michel Platini peut considérer comme injuste, vu de son côté, n'empêchera pas le succès de la manifestation. Mais ça veut dire que vous, ministre des Sports, vous n'enverrez pas d'invitation à Michel Platini ? C'est héros de 84, entre autres. C'est la SAS qui organise l'Euro 2016. Donc, j'imagine moi, à titre personnel, si Michel Platini peut être là à nos côtés, je n'y verrai que des avantages. Ah. Simplement, il doit respecter les procédures qui, aujourd'hui, pèsent sur ses épaules, et notamment cette exclusion pour 6 ans, en tout cas, qui a été demandée, vous le savez, il y a quelques jours. Merci pour cette réponse. Merci, Olivier, de nous avoir appelé des Vosges. On va passer un autre appel. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Quelle est votre question ? Vous nous appelez du Cher. Oui, du Cher, oui. Voilà, je voudrais dire déjà bonjour à Monsieur le ministre. Bonjour. Et puis je voudrais lui dire, en ce qui concerne les derniers soucis dans le domaine sportif, en plus, tous les joueurs qui ne chantent pas l'hymne national, qu'est-ce qu'il en attend de cette équipe de France 2016 ? Le devoir d'exemplarité. J'attends d'abord de bons résultats, mais ça on en a parlé tout à l'heure, mais surtout d'être voilà, un exemple pour notre jeunesse. Vous savez, on va avoir beaucoup de jeunes dans les stades qui viendront notamment voir l'équipe de France. On a acheté 20 000 places pour les jeunes des quartiers populaires, pour les jeunes des zones rurales qui seront distribuées dans le cadre d'un appel à projet que nous avons lancé auprès des clubs sportifs, des maisons de quartier, des centres sociaux. 20 000 places pour les jeunes. J'oublie pas non plus qu'il y aura 250 000 billets à très faible coût, 25 €, ce qui veut dire qu'il y aura des spectateurs très populaires, au meilleur sens du terme, qui seront avec nous. Et donc, j'ai envie de dire à l'équipe de France, exemplarité, motivation, faites-nous plaisir. Et je pense que c'est aussi le message que leur passe Didier Deschamps. Et on vous a entendu tout à l'heure, vous nous l'avez assuré, ils seront au moins en finale. Au moins en finale. Voilà, merci Christian, merci à toutes et à tous de nous avoir appelés au 39-21 pour participer à ce dialogue. Merci Patrick Caner d'avoir été en direct avec nous ce matin. J-100 avant l'Euro, journée spéciale sur Europe 1. Je vous rappelle que tous les matchs de cet Euro, les 51 matchs, seront à vivre du 10 juin au 10 juillet en intégralité en direct sur Europe 1.